Chère maman, je ne voudrais pas que tu te fasses du souci, mais la faune au camp marécage est encore plus surprenante que je ne le pensais. Et soudain, la voix lui dit « Allez, sors de là tout de suite! Le pamplemousse tueur est à l'intérieur des toilettes du jardin !» J'ai eu si peur que j'ai failli ressusciter. Je ne mangerai plus jamais de pamplemousse dans des toilettes de jardin. Et toi, c'est tout ce que ça te fait? Enfin, Gretchen, on campe sur l'île de l'épouvante. Je suis sûre qu'ici, il y a quelque chose qui te fait peur, non? Non. Qu'est-ce que tu penses de... ça? Non. Ça? Non. Tiens, ça, ça doit te faire peur. Non, je viens de te le dire, il n'y a rien... tout de suite. Je me demande ce qui lui a pris. Ce n'est pas grave. Bonne nuit. Debout les morts. Bien reposé et prêt pour l'excursion. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Ça, ça fait peur. A fouillé dans nos affaires. Salut mon petit bonhomme. Tu veux une cacahuète? C'est lui qui a fait ça. Gretchen, ça c'est un écureuil. Tu sais les petits rongeurs, tout mignons et plein de poils. Ne te laisse pas tromper par son côté mignon. As-tu remarqué son regard maléfique? Gretchen, jamais un écureuil ne pourrait... Mais enfin, c'est évident. C'est cette horreur qui a dévasté notre campement. Sois réaliste, il n'y a que quelque chose d'énorme qui a pu prendre une aussi grosse bouchée. Tu ne comprends donc pas? Ce sont des voleurs, des rustleurs, des menteurs. Ils ont des joues extensibles. Cet écureuil est diabolique. Elle est bien bonne, Gretchen. Tu m'as eu sur ce coup-là. Oh, ce n'est qu'un joli petit écureuil. Tout ce qu'il veut, c'est un petit truc à manger. Fais attention, Squirt. Sa morsure est mortelle. C'est une bête assoiffée de sang! Ouais, il te fait vraiment peur! Cette petite bête ne ferait de mal à personne! Pas vrai, petit bonhomme? Allez, donne-lui à manger, il ne te mordra pas! Calme-toi, tu peux y arriver! L'incroyable force de l'amitié! Tiens, méchant petit écureuil! Gentil, méchant petit écureuil! Ne m'arrache pas le bras, méchant petit écureuil! Je n'y arriverai jamais! Gretchen, tu aurais dû te réfugier ailleurs! Il va me dévorer vivante! C'est vraiment le pire cas d'écureuilophobie que j'ai jamais vu! En fait, pour tout dire, c'est le seul! Pourtant, j'avais dit à papa de mettre des vitres électriques. Hey, salut tout le monde! Vous avez vu ça? Qu'est-ce que tu viens faire ici, Bot Squat? Où est Makigi et sa bande du camp marécage nouille? Je veux les voir baver de jalousie devant mon nouvel hélicoptère. Nous ne dirons rien. Nous serons muets comme des murs de briques, des poutres d'acier, des tours de pierre. Nous avons fait la promesse solennelle de ne jamais révéler où il se trouve. Ah ouais? Même pas en échange du gel extra coiffeur vital baboon en format géant? Non! Camping sur l'île de l'épouvante. Je vous ai bien eu tous les deux. Tu pars de murs de briques. Quoi? Pas facile de trouver de bons gels coiffants dans le coin. Kenot, allez viens, Kenot! Arrête de lui donner à manger! Je te l'ai dit, il est très méchant! Mais il n'y a pas grand chose à manger sur cette île! Eh bien qu'il meurt de faim! Une créature avec un gros appétit doit habiter sur cette île! Elle est très chauffelue! Elle a des petits yeux ronds! Et une âme noire et diabolique! Hé, les marécagiens, où êtes-vous? Allez, sortez de votre cachette et venez admirer mon hélico super top cool. Est-ce que c'est toi, gros héros de McGee? Ah, je t'ai vu!
Tenez, vous avez entendu? Ça, c'est un cri de terreur. Nous, les zombies, on en entend souvent. L'écureuil! Comme je le disais, on en entend souvent. Moi, je quitte cette île! Allons, voyons. Gretchen, pas de panique! Oh. Allez, viens, Connard, Connard! Notre bateau! Ça, c'est vrai que ce n'est pas bon signe. Serais-tu aveugle? Il a toujours un coup d'avance sur nous. On est coincé. On ne peut plus en aller d'ici. Je t'en prie, Gretchen, calme-toi un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Squirt? Il y a quelque chose là-bas. Mais ça vient dans notre direction. Alors partons dans la direction opposée. Ne l'écoutez pas. Les amis, que notre connaît un endroit sûr. Alors suivons cet écureuil. N'y allez pas, c'est un piège. Attendez-moi. Il a disparu. Quelqu'un sait où on est? Salut les losers. C'est une machine à manger de la chair humaine. Peut-être qu'il nous veut aucun mal. Tu avais raison, Gretchen. C'est bien un écureuil monstrueux et diabolique, sorti tout droit des enfers. Non, sans blague. D'accord, on n'est plus que trois maintenant. D'accord, on n'est plus que deux maintenant. D'accord, il n'y a plus que moi maintenant. Bah, et moi alors? Bon, d'accord, Bot Squat. Alors, à ton avis, qu'est-ce que nous devrions faire maintenant? Eh bien, je vais rester là pour faire le guet pendant que toi, tu vas aller sauver les autres. Bien ce que je disais. Il n'y a plus que moi maintenant. Hé, Kenot, libère mes amis tout de suite. Ok, j'ai fini de faire le guet. Alors, reviens et sauve-moi d'abord. Eh oh! Je m'en vais te sortir de là, Sawyer! Je te tiens! Oh, oups! Je vais te sortir de là morceau par morceau, Sawyer! Très bien! Maintenant, je te tiens! Squirt! Sors Bot Squat de son trou! Son hélicoptère est le seul moyen de quitter cette île! C'est pas trop tôt! Occupez-vous de Sawyer pendant que je retiens cette bestiole. Hey, regarde, une cacahuète. Voilà qui t'apprendra à t'attaquer au marécagia. J'ai les pales de mon magnifique hélicoptère. Ah oui, bien sûr. J'ai réussi à le retarder, allons-y. Allez où? Ce méchant écureuil a rongé le rotor de mon hélicoptère. Fais quelque chose, Maggy. Comment faire pour réparer les pales? Comme ça. Merci, Sawyer. Ça me fait toujours plaisir de prêter mes bras et mes jambes. On décolle, on décolle. Méchant que notre méchant. Il ne nous lâchera pas, il veut tous nous manger. On n'y arrivera jamais. Il faut qu'on se débarrasse du poids mort. Donne-lui à manger. Hé, Kenot, viens mon petit, il t'aura cette cacahuète. J'ai réussi. Maintenant tu sors de mon hélicoptère.
je reconnais bien notre Gretchen. Ouais, Gretchen. Je vous signale qu'on serait encore tous coincés sur l'île de l'épouvante si mon fantastique hélicoptère tout neuf n'avait pas été là. Il reste une dernière vermine à nourrir. Aïe! Arrête de me lancer des cacahuètes. Ah, et...